Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais ouvrir cette magnifique boîte de 36 boosters de draft de l'édition Infinity. Donc c'est une édition un peu parodique qui vient de sortir, c'est une édition qui est basée sur l'humour. Dedans on peut trouver beaucoup de cartes qui font référence à de la science-fiction, dans l'espace, un peu du carnaval spatial on va dire. Et donc il y a aussi des super cartes qui sont les terrains, les amis, il y a des terrains de fou à l'intérieur. C'est des rééditions. Alors d'après ce que j'ai compris, chaque boîte de booster de draft Infinity contient l'un des 10 Choclans en version foil traditionnelle sans bordure. Donc je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors après, voilà, ce sont des éditions à part. Ça s'adresse plus aux collectionneurs, aux amateurs de cartes magiques. Mais c'est vrai que d'avoir ces terrains en version foil, ces Choclans en version foil là, ça peut être sympa. Donc on va voir. En plus, il y en a, ils sont très 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 cotés, les amis. Donc là, je vous dis tout de suite, j'ai hâte de découvrir la carte que j'ai à l'intérieur. S'il y en a bien une dans chaque boîte de 36 boosters de draft. Hein. Alors, on va voir ça. Ça va être le verdict. Et là, c'est marqué ici en plus. Hein, dans chaque pack. Alors, c'est une édition qui sort qu'en anglais. Pour référence, c'est qu'en version originale. Voilà. Donc, c'est cette fameuse box topper. Alors, par contre, faites attention quand vous l'ouvrez parce qu'il n'y a qu'une carte à l'intérieur. Le truc, c'est de ne pas l'abîmer. On a des dessins sympas, je vais le mettre sur le côté. Les boosters, donc je vais tous vous les ouvrir hein, bien sûr. Et comme je le fais d'habitude, je ferai aussi une vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture. Je compte toujours machinalement qu'il y en ait bien 12, voilà. Hop. Alors forcément, c'est des éditions où la plupart des cartes sont pas très cotées, on va dire. Donc il peut y avoir des surprises en termes de rentabilité. Je dirais que c'est plus une édition qui s'adresse aux collectionneurs. Allez, c'est parti, je vais essayer de l'ouvrir mais sans l'abîmer. Oh, ça va être chaud, chaud patate, je vais essayer de la coller sur le côté. Ça c'est le risque quand on a qu'une seule carte. Voilà. Tac. Alors la fameuse carte les amis. Ouh là là. C'est de pas corner. La fameuse carte. Alors, il y en a plusieurs, les amis. Il y en a quand même un bon paquet de Choclans. Donc, il y en a 10. C'est une version foil, donc elle est un peu plus cotée que les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du Blood Crypt, Wheeling Pool. La moins cotée, je dirais, c'est peut-être Stomping Ground. Oh, ouais. Oh, oui. Mais bon. Allez, c'est parti. Tac ! Wheeling Pool. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, c'est une carte... donc, c'est un terrain, un Choclans en version foil. Extra foil, on va dire textless. Vous voyez, il y a l'image sur la totalité de la carte. Donc là, c'est ouais, c'est une carte qui est super cotée. J'ai fait l'erreur. Alors, je prends deux secondes. J'ai fait l'erreur, je me suis pas penché pour prendre des pochettes. Là, c'est une petite erreur de ma part. J'aurais dû les prévoir avant. Voilà, il n'y a pas de montage, je ne fais pas de coupe au montage, c'est en direct les amis. Comme ça c'est plus simple, voilà, alors là, cette belle carte, on met sous pochette plastique parce que celle-là, elle vaut le détour. Alors c'est parti les amis, on va voir les boosters. Il y en a 36, 36 boosters de plaisir. Alors c'est vrai que dans l'édition, j'ai quand même repéré deux cartes qui sont un peu plus cotées que les autres. Je sais qu'il y a une carte rare, une carte mythique multicolore, c'est Comet Stellar Pump. Et il y a une carte rare aussi qui est cotée aussi, qui est plutôt intéressante. Donc bon, je crois que c'est une carte noire, So in Half. Oula, allez, c'est parti. Allez, on va commencer. Alors, je sais pas s'il y a des foils dans chaque booster, on va le découvrir. Je vais peut-être pas vous dire toutes les cartes, parce que vu que c'est en anglais, mon accent n'est pas top. Et puis je vous dirai dans la vidéo de stats combien j'ai eu de cartes différentes aussi sur le nombre de cartes de l'édition. Donc ça sera pas mal. Alors on arrive aux peu communes. 3. Et la rare. Une rare blanche. Ok. Oh les terrains. Alors ces fameux terrains qui sont en version textless, ils sont magnifiques. Franchement, ça par contre, ça vaut le coup. C'est des terrains qui sont plutôt cotés. Dans chaque booster, vous aurez un terrain, il me semble.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah, d'accord. Il y a ces fameuses cartes en plus. C'est les cartes Galaxy, je sais pas. C'est la 207 sur 244. Alors, je sais pas s'il y a... Ouh, il y a une rare en plus. Tunnel of Love. Ok, et on a aussi un jeton. Ah oui, il y a des jetons. Ouh, il y en a deux. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a aussi ces fameuses cartes en plus, je les ai vues. Comment elles s'appellent, ces fameuses cartes? Je crois que je les ai repérées quand je farfouillais pour avoir des informations sur l'édition. C'est vrai qu'on a, bah, on a des extras, on a des collectors, on a pas mal de choses. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça, ce sont des stickers. Stickers sheet. Alors, je sais pas comment. A priori, ce sont des stickers sheet. Ouais, sticker sheet. Donc je voilà. Donc c'est vrai qu'il y a les cartes normales, il y a les cartes collectors ou extra si vous préférez. Il y a des tokens comme celui-là et des sticker sheets. Je vais le mettre là. On va laisser les cartes comme ça en visibilité, quand même plutôt sympa. Et puis on va voir si on peut avoir, je peux avoir des une ou deux cartes qui seraient vraiment qui sortiraient du lot. Allez, je vais accélérer les ouvertures. Voilà, bon, c'était surtout le démarrage et un tour d'horizon de cette édition parodique. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas s'il y a des cartes foil à l'intérieur. Je pense que tous les 4 boosters, il doit y avoir des cartes foil. Ah. Ok. Ok. La rare célèbre 8000. Ok, bon. Oh, Mountain. Pff, ces terrains, ils sont vraiment fous. Et vous savez que je crois qu'il y a des terrains aussi qui sont hyper cotés à plus de 100 euros. C'est le numéro 500 et quelques. Bon, on va pas rêver en avoir une, je sais pas si on peut, ça peut être trouvable dans une booster de 36 boosters de draft. Hop, Superlatorium. Oh, voilà, une foil. Qui dit coaster? Voilà, c'est la première foil. Je vais la mettre ici, dans cette catégorie. Alors, le jeton Treasure et une autre carte comme ça. Ouh là là, je fais tomber mes piles. Et une autre carte comme ça, voilà. Donc, il y en a dans tous les boosters. Il y a au moins un terrain, au moins un jeton et un sticker. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, ça vous permet de vous faire un ordre d'idée de ça, tout simplement. Voilà. Après, comme je vous dis, les cartes sont pas très cotées. À part une ou deux, vous pouvez les acheter à l'unité, ça revient moins cher qu'à acheter une boîte. Une boîte comme ça, c'est plus de 110 euros, il me semble, à peu près, en moyenne, parce que si vous achetez en précommande ou après, suivant les revendeurs, vous pouvez avoir des tarifs ou pas. Les cartes sont belles, c'est toujours sympa. Nocturne of Miras Marvel. Ok, sympa. Oh, pleine. Je l'avais pas eu. Celle-là, elle est sympa. Elle est très belle. Hop. On va la mettre ici. Balloon Stand. Il y en a plein de trois là dans ce booster. Écureuil. Et voilà. Deux boosters. Bon. Après ça, j'ai pas une mythique. Alors, vous allez me dire, oui, 110 euros, mais on a un Shockland en version foil qui est très très coté. Ça fait plusieurs dizaines d'euros. Le truc, c'est de savoir si avec le reste, ça permet d'être rentable ou pas. Je sais pas, je vous garantis pas que ça le soit. Et je vous en ferai l'analyse, je vous le dirai. Tout simplement parce que les cartes de ces éditions sont pas très cotées. Sont très peu chères. Là, c'est une extra, la 268. Zut, alors ça, ce sont les extras, je vais les mettre là. Hop, on va faire comme ça. Comme ça sera plus simple. Et l'extra, je vais la mettre ici. La première extra. Ok, Islande, ben je l'avais pas eu. Il me reste Mountain à voir. Je ne sais pas s'il y en a deux versions à chaque fois ou pas. Gift Shop. Ok. Oh, une foil. Encore une foil. Bon, ça, c'est une commune foil. Bon, il n'y a rien de plus. Bon, les jetons, il y en a 14 a priori. Et je vois qu'il y en a dans tous les boosters. Il n'y a pas de carte promo pour l'instant. Publicitaire, donc je vais voir. J'espère que je vais en avoir. Je vais tous les avoir, et puis même dans les autres cartes, j'espère avoir un maximum de cartes différentes. Hop, et on a Devil Can Evil en rare. Oh, le terrain Mountain, j'avais déjà. Bah après, voilà, ça amène une certaine cotation. C'est un magnifique terrain. Robot et.
Alors combien il y en a là? Il y en a quand même 48, hein. Alors c'est vrai qu'en 36 boosters, ça va être dur de les avoir, ces stickers, de tous les avoir. Alors ça c'est plus commercial pour les collectionneurs, de rajouter un type de carte avec ces stickers en plus. Oups! J'ai pas découvert au moins des mythiques, des... Même après, vu qu'il y a deux cartes qui sont un minimum coté, bon, c'est, je crois que c'est autour de 10 euros, voire légèrement plus. Si j'en ai une en foil, ça peut être sympa aussi. Ok, Islande. Alors, Islande, est-ce que c'est le même? Non, voyez, il y en a deux différents, les amis. J'ai deux Islandes différents en version textless. Ouh, bah, j'espère tous les avoir. Sinon, il y en a un par booster, donc si ça se trouve, vu qu'il y a 5 terrains, 5 types de terrains. Ça serait sympa d'avoir... Oula, celle-là, elle a été abîmée avant la fabrication. À la fabrication, d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il y aurait 10 terrains textless différents au total. Bon, bah écoutez, j'espère que ce sera une surprise de tous les avoir. Hop. Pour l'instant, j'ai eu les deux îles. J'ai pas eu encore de forêt. J'ai que deux cartes foil. Alors je vais un peu plus vite qu'une boîte classique, c'est vrai que vu que c'est en anglais, on passe à ta... Voilà une forêt, la première forêt. Textless. Elle est belle, hein. Franchement elle est belle. Hop, ça, un jeton. Et pour l'instant que... elles sont mal faites, elles sont abîmées. Alors j'ai un lot là, elles sont toutes abîmées, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je pense pas. Ah, c'est parce que ça se découpe, non, elles sont pas abîmées, en fait c'est parce que les trucs là, qui sont dessus, se découpent. Ouais, j'avais pas vu, oh, d'accord, on peut les enlever les petits logos, les petits dessins, je comprends mieux, ok. Après, vu que moi je vais plus les garder pour la collection, je vais pas chercher à les enlever, je sais pas, je pense que c'est des stickers, c'est-à-dire qu'ils se collent, stickers c'est quoi, c'est des autocollants justement. Donc je comprends mieux maintenant. Hop. Alors voilà, il y a des cartes qui vont revenir facilement en double triple exemplaire. Ça c'est du classique. Par contre des extras, j'en ai pas beaucoup, j'en ai eu qu'une pour l'instant. Swamp, celui-là, je l'avais déjà eu. Bon, dommage. Ok, ça c'est les trucs de fête foraine. Une peu comme une foil. Bon, je vais la mettre, je vais la décaler ici. Ok, bon. Pour l'instant, j'ai pas une mythique. Bon, c'est assez étrange. Hop. Ouais, j'ai pas une mythique. Alors, y a quand même très très peu de rares cotés à plus de 1 euro. C'est pour ça que si vous êtes investisseur, évitez ce genre d'achat parce que je suis pas sûr que ça soit rentable. Je vous dirai tout. Ah, la première mythique. Greatest Show in the Multiverse. Voilà la première mythique. Ok, bon, on s'en fait au moins une dans la boîte. Avec un terrain plein. Drop Tower. Clone robot et hop, donc ça y est, première mythique. Après, il y a quand même 244 cartes, les amis, en version normale. Une boîte de 36 boosters, vous multipliez par une quinzaine, voilà, ça fait un certain nombre de cartes. J'espère avoir au moins toutes les communes, voire les peu communes éventuellement. Après, les rares, bon, vu qu'il y en a plein qui sont cotés. Moins de 50 centimes. Voilà une deuxième extra. Ok, bon, c'est déjà mieux. Au moins remplir les extras. Ah, oh, Space Belly Run, une deuxième mythique. Voilà la deuxième mythique. Bon, bah deux mythiques de suite. Ok. Oh, soit on peut. Ah, celui-là, je l'avais pas. Il est beau. Super beau celui-là. C'est vrai que ces terrains sont incroyables. Ok, je crois que le jeton non plus je l'avais pas. Treasure.
il me semble, je sais plus. Bon, deux mythiques, les amis, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, après, j'ai pas eu une des cartes, il faut, c'est une rare noire, ou une mythique, les amis, c'est la mythique comète, c'est une mythique multicolore, qui sont cotées, vraiment cotées. Mais pour l'instant, pas grand-chose. Après, bon, celle que j'ai eue, bon... Space Belleran, c'est quelques euros, mais c'est pas plus que ça. Il vaut mieux les avoir en version foil. Hein. Et ça, je vous dirai tout réellement dans la vidéo d'analyse et de stats, ça sera plus simple. Là, en direct, pas perdre beaucoup trop de temps à essayer de regarder les cotations en même temps que je peux faire les ouvertures. Ah, ben, une rare noire, mais c'est pas la bonne. Bon. Forest. Hop. Roller Coaster. Oh, une mythique foil. Ah bah, dites donc, là, les amis, j'enchaîne les mythiques. Mais c'est une, en plus, une extra. Une mythique extra foil. Ouh. Ça, c'est étonnant. On va mettre comme ça. Hop, sympa. Teddy Bear. Et... Bon, trois mythiques de suite. Ouais, je sais pas si ça vaut grand-chose, un mythique extra foil. Bah, ça, je vous dirai tout. Avec un peu de chance, c'est quelques euros. Allez, on continue. Voilà, c'est le 12e booster, ça fera un tiers de la boîte. Hein. Montaigne. Une rare. Un jeton. Et un sticker. Bon, voilà, les amis, j'ai ouvert un tiers de la boîte. D'un point de vue terrain, je crois qu'il me manque quoi? Alors, on va enlever ceux que j'ai déjà deux fois. Swamp, j'ai déjà deux fois. Je vais les enlever, je vais les mettre sur le côté. Qu'est-ce que j'ai? Forêt, Islande, Mountain, Islande. Islande, je l'ai deux fois aussi. Ah, super, j'ai les deux versions. Plain, Mountain aussi, j'ai les deux versions. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Donc en fait, j'ai déjà trois terrains où j'ai les deux versions. Il me reste plus que, les amis, plus que Forest, Plain et Forêt. Tout simplement pour avoir les deux versions. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je suis plutôt content en 12 boosters. Je suis plutôt bien tombé, hein, les amis. Franchement, là... allez, on va voir. J'espère tous les avoir. Ah, par contre, les boosters, ils s'effritent quand on les ouvre. C'est pas la même qualité que d'habitude. C'est vrai que les cartes sont assez plus épaisses. Je trouve que l'épaisseur des cartes avec les stickers, c'est légèrement plus épais que d'habitude. Donc ça doit peut-être jouer sur... la texture du booster. Hop. Ah, ok. Islande. Bon. Je vais mettre de côté celui-là, parce que c'est pas forêt ni plaine. Hop. Concession stand. Clone robot. Et une autre carte comme ça. Bon. Allez. 14e booster. Ah, c'est vrai. Un peu plus dur, un peu plus épaisse cette fameuse carte, ce fameux sticker. On le sent dans l'épaisseur des boosters. Ok. Forest. Ah bah voilà les amis, la deuxième forêt que je n'avais pas. Donc la deuxième version, donc ça c'est pas mal. Hop, je mets de côté, comme ça j'aurai toutes les versions. Hop, une foil, Gobelin Airbrusher. Ok, c'est un peu comme une foil. Food, et ça, ok. Donc il me reste, les amis, plus que forêt, plus que une plaine, la deuxième plaine, et j'aurai tous les terrains en version textless. Ouh, purée, ça, ils sont épais les boosters, c'est pour ça qu'ils cassent tout de suite. J'ai pas de marge en dessous pour faire jouer les cartes et pour m'appuyer dessus pour les ouvrir sans les casser complètement. C'est pour ça. Donc les cartes sont vraiment très épaisses à l'intérieur. Ah, il y en a qui reviennent, des communes qui reviennent assez souvent. Hein. Par contre, je suis un peu déçu d'un point de vue foil. Enfin bon, j'ai eu un mythique foil, mais je pensais que j'aurais un peu plus remarqué. Non, c'est tous les 4 boosters, ou tous les 3 boosters, je sais plus. Bah, je vous dirai à la fin quand j'ai eu le foil. Ouh, celle-là, elle est belle. C'est une extra, une rare extra, Furious of Mirage Marvels.
un terrain swamp. Hop. Gallery of Legends, ok. Stormcrow, et ok. Bon, il y a quand même des cartes qui sont intéressantes. Hein. J'ai quand même hâte de vous proposer l'analyse de cette ouverture, parce que franchement, il y a quand même pas mal de choses dont je vais pouvoir vous parler. Puis combien il y a eu de cartes différentes dans cette ouverture. Ça aussi, ça m'intéresse. Oh, une mythique, une autre. Plate Spinning. Ok, bon, une nouvelle mythique. Bon, quatrième mythique, les amis. Ah, zut, pleine, c'est pas le bon. Bon. Hop. Hop, bon. Quatre mythiques. Zut. Alors... J'imagine que je vais quand même, j'espère avoir toutes les cartes communes de cette édition, parce que une rare rouge, bon, toujours pas les deux forest, ok, j'avais déjà. Ces cartes carnaval, elles sont quand même sympas, elles sont marrantes. Je sais pas combien il y en a. Ah, une commune foil, ok, robot et ok, bon. Continue mon aventure dans Unfinity, édition parodique. C'est la quatrième édition parodique, je crois, il me semble, de Magic. La deuxième plus récente, parce qu'il y en a eu deux qui étaient sortis dans les années 2000. Début des années 2000, je crois, ou fin des années 90. Ah, une extra, une autre. Oh, super, ça m'en fait quelques-unes quand même. Hein. Ok, Swamp non plus. Et ok, bon, il y a quand même quelques extras, hein, les amis. J'ai eu la mythique foil en version extra, donc je sais pas si c'est possible d'avoir ces fameux terrains cotés à 100 euros à peu près, ces fameux terrains qui sont numérotés 500 et quelques. Je sais pas s'il y en a certains qui savent où on peut les avoir, peut-être dans les boosters collector. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo l'ouverture d'un booster collector. Normalement, ça sera demain. Dans un genre gamer. Pleine. Oh non, pas de bol. C'est encore le même. Ah, zut. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Ah ouais, ça c'est pas de bol. Bon. Ça serait sympa de... Après, bon, c'est peut-être possible que je l'ai pas le dernier. Hein. Hein, peut-être y avoir une foil ici. Une extra. Ok. Une mythique. Oh, une mythique noire. Exit through the gift shop. Ok, une nouvelle mythique. Bon, je crois que c'est la cinquième. Swamp. Bon. Non, il n'y a pas eu de foil. Je me suis trompé. C'est vrai que le nombre de cartes est différent. Vu qu'à l'intérieur, il y a ces fameuses cartes carnaval. Que... D'ailleurs, il y a combien de cartes dans un booster, les amis? On va les compter, parce que ça me fait penser... Il y a 14 cartes? Non, il y a plus que ça. Il y en a 16. Et oui, et les fameuses cartes carnaval, vous voyez, de dos, elles ont des dessins différents. C'est pas le logo magique. Voilà, c'est pour vous donner vraiment le dos, vous voyez, les dos des cartes. Donc le jeton, hein, c'est ça. Ça, c'est le jeton, et ça, c'est le sticker. Voilà, ce sont les dos qui sont pas des dos magiques de Gathering. Parce que le jeton et le sticker ne sont pas comptés comme des cartes. Mais en raison. Oh! Waouh! Eh les amis! Oh, 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 oh! Fonderie sacrée! Oh! Bah voilà! C'est un Chocland, les amis! La numéro 285! Bah je crois bien! Je suis pas fou parce que, vous voyez,
La 286 Wedding Pool, c'est à 2... J'ai eu la... Eh ben, là, c'est une carte qui peut être cotée à plusieurs dizaines d'euros. Bon, c'est pas... J'ai eu la version folle, j'ai une version normale, donc... Oh, j'ai hâte de vous montrer l'analyse, les amis, de ça. Alors là, ça change tout. C'est un truc de fou, franchement. C'est un truc de fou, je savais pas que c'était possible d'en avoir une. Je vais la mettre sur le côté. Non, je vais pas la mettre sur le côté, les amis. Je vais faire autre chose, je vais la mettre dans une pochette plastique. Parce que celle-là... Ouh, en avoir deux dans la même boîte. J'aurais pas cru, franchement. Après, tout est possible, mais là... Oh, c'est très très fort, les amis. Là, j'ai hâte de vous faire l'analyse de cette ouverture, parce que ça change tout. Ok. Ok, et ok. Oh là 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 là, j'ai eu 5 mythiques, et j'ai un deuxième Shockland. Alors, je dis pas qu'il y en aura dans toutes les boîtes, hein, les amis. Mais déjà, en avoir un, je m'y attendais absolument pas. Après, oui, il y a des terrains à 100 euros qui sont... Je sais pas s'ils sont, ils peuvent être trouvables dans ces boîtes-là. Mais en tout cas... Ouf. Ok. Là, ça devient très, 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 très intéressant. Bon, il me manque encore la plaine. Je veux la dernière carte. Ok. Food. Je dis... Oups. Ok. Bon. Eh ben, dis donc, les amis, là, il y a pas mal de mythiques. Des terrains qui sont incroyables. Les terrains, tous ces terrains-là sont cotés. Donc, un par booster, ça vous fait un minimum de cotation. C'est vrai que, finalement, je me trompe peut-être en pensant que les cartes sont pas cotées du tout dans l'édition. Mais vu qu'il y a les terrains à côté, ça peut être amener une certaine minimum de rentabilité, au minimum, on va dire. Mental, Mountain, bon, j'avais déjà. Ok. Formation. Oh, une rare foil Omnicloon Colossus. Ok, donc j'avais... Hop, j'ai plusieurs catégories. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout décaler. Oh, bah, je vais la mettre avec la Mythic Foil, tout simplement. Oui, mais non, ça, c'est de l'édition. Je vais la mettre avec les peu communes. Allez, on va la mettre là. Comme ça, à la fin, je pourrais vous faire un bilan plus facile. Si ça, hein, je vais pouvoir vous faire un bilan rapide de cette ouverture en direct. Ok, 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 ok. Ouais. Islande, bon, toujours pas la plaine. Enfin, j'ai eu 4 fois l'autre version, c'est quand même dommage. Ok, allez, hop, il nous reste, les amis, combien de boosters? Parce que là, j'enchaîne. 3, 6, 9, 12 boosters! Les amis, c'est la dernière, le dernier tiers de cette boîte de 36 boosters Infinity. Oh là, zut, il y a tout qui se casse. Franchement. Allez, j'espère que dans ces 12 boosters. Avoir 4 fois déjà la même plaine, faut le faire. Parce qu'en 36 boosters, vu qu'il y a 10 versions différentes, c'est plus que la moyenne. C'est ce qui m'inquiète un peu. Ouh, elle est jolie celle-là. Urza's Fun House. C'est un terrain. Ok, Forest. Bon. Haunted House. Mais il y en a que je vais avoir plusieurs fois, hein, ça c'est sûr. Clone robot. Et ça, ok. Bon. Alors. La plus cotée, la rare noire, la plus cotée, So in Half. Ok, sur pochette de plastique direct. Bon, Swamp, c'est pas bon. C'est. Voilà, les amis. Une de plus, je vais la mettre avec les mythiques. Bon, dommage. Toujours pas ma plaine. Une commune foil. Le jeton trésor, j'ai déjà eu plusieurs fois. Hein. Par contre, il y a des jetons qui reviennent assez souvent. Bon, bah écoutez les amis, finalement, je pense que ça peut être une belle surprise.
en raison de la rareté et des cartes importantes que j'ai pu avoir. Alors, même si les autres cartes sont pas très cotées, là franchement les amis, je sens que finalement ça va être une belle surprise. Hop. Oh, ok, pleine. Ah, oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est les mêmes dessins à chaque fois. 5 fois. Ah oh, non. Ah, oh, c'est pas de bol. C'est pas de bol, les amis, franchement. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, à côté, je vais pas me plaindre. Hein, mais avec ce que j'ai eu à côté, c'est quand même pas mal. Zut, zut, zut. Ah, 5 fois, faut le faire quand même. Oh là là là. Ok, bon, celle-là j'avais déjà eu, Forest, ok. Hop, hop, plusieurs, ok. Le 13, peut-être pas eu le 13 en jetant. Donc, bon. Là je sais qu'elle met, alors les mythiques à un moment, j'en ai eu 3 de suite en 3 boosters. Mais bon, je pensais pas avoir une mythique extra foil et en plus un terrain, un chocolat en plus extra. Rare, donc ça c'est plutôt assez énorme. Il reste encore quelques boosters, peut-être des coins, une surprise. J'ai en plus la rare, la mieux cotée de l'édition. It came from. Oh, une voilà, une mythique. J'allais quand même pas avoir la mythique la plus cotée. Ça aurait été. Pleine, voilà! Oh, ça y est, les amis! La voilà, la pleine qui me manquait! Ouh, ça c'est top! Là, je suis plutôt content. Alors, je vais pouvoir remettre les terrains ici, dessus, et rapprocher les autres là. Hop! Bon, j'ai tous les terrains textless. Ça, c'est super. Memory test. Un robot. Ah, je suis content, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est une belle ouverture, ça. C'est vraiment... Oups! Alors là, carrément, il s'est ouvert. Juste en... ces éditions proposent des terrains de fou. Franchement d'une beauté incroyable, et là je suis vraiment content parce que j'ai plutôt été gâté, déjà je les ai tous, et puis deux choclantes dans un foil qui est de toute façon dans chaque booster, oh une encore une extra, je vais vous dire le nombre à la fin, ok, un terrain montagne, à la fin c'est vrai que ça va être intéressant de savoir si j'ai bien tout eu, ah encore une carnaval foil, c'est une commune. Bon, des foils, j'en ai quand même un bon petit paquet, là, je sais pas combien, mais je dois pas être loin d'une petite dizaine, hein, les amis, en 36 boosters. Je vais peut-être pas compter le breeding pool. La pile, elle monte, c'est marrant, ça. J'ai hâte, après, de trier, de vous faire la vidéo d'analyse. Et de stats. Oh, ces terrains, ils sont vraiment incroyables, franchement. Je peux les regarder comme ça, c'est magnifique. Le 3, une robot, et ça. Allez, il me reste combien de boosters? 5 boosters encore de plaisir pour cette édition. Après, je vous fais un petit bilan. Je vous montre tous les terrains différents, ça c'est aussi c'est sympa. Wow, Swamp. Merry Go Go Round. Ah, une peu comme une foil. Bon, une autre. Hop, je vais la glisser sous la rare. Le 14, je crois que je l'ai déjà eu. Bon. J'ai pas vu le jeton numéro 1. Ou... Il me semble que les numéros reviennent à chaque fois. Les mêmes. Donc ça, par contre, d'un point de vue jeton... Je pense que j'ai pas été trop gâté. Ah, c'est 36 boosters de draft, ça fait pas mal de cartes, c'est plutôt cool, franchement. Ah, Ignacio of Miraz Marvels, une rare extra. Ok, une de plus. Hein, Terra Mountain. Donc il y a quand même pas mal de cartes extra. Hein. La 2, j'ai déjà eu.
Oui, je suis un peu étonné d'avoir autant de cartes extra, les amis. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Finalement, il n'y a pas que dans les boosters collector. Dans cette édition, il n'y a pas de boosters extension. Il n'y a que des boosters de draft ou des boosters collector, en fait. Alors, bien sûr, dans les boosters collector, vous en aurez beaucoup plus, hein, des extras. Et puis, contrairement aux dernières éditions, il n'y a pas eu de cartes commandeur. Pleine. Alors, celui-là, il est revenu à chaque fois. C'est incroyable de l'avoir. J'ai eu 6 fois. C'est quasiment un toutes les 6 boosters. Treasure, le 12, j'ai déjà eu. Ok. Allez, il me reste 2 boosters, les amis. Bon, ça s'est calmé d'un point de vue mythique. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Et puis, surtout, ces terrains. Allez voir les cotations, là. Les amis, j'ai du lourd, je suis bien content. Là, c'est top, parce que la vidéo d'analyse et de stats, là, elle va vraiment être super parlante pour vous donner un ordre d'idée. Alors, j'ai eu du bol, hein. Bon, bien sûr, il y a toujours un terrain Shockland en version foil dans chaque boîte. C'est ce qui est prévu. Mais alors, d'en avoir un deuxième en version normale, c'est un énorme coup de chance. J'ai eu une mythique aussi foil. La carte rare la plus cotée de l'édition. Waouh. Il n'y a rien à dire, là. Je pense que c'est une bonne boîte, mais je sais pas si toutes les boîtes sont comme ça. Oh, une commune foil en plus. Le 8, je crois, je l'avais déjà vu. Hop, et le dernier booster. Après, je vous fais un petit bilan, les amis. Je vous dis combien j'ai eu de cartes foil, comme ça. Je vous donnerai un ordre d'idée. Et puis surtout, le petit bilan aussi de base, savoir quel est le contenu de cette boîte de 36 boosters. Surtout, qu'est-ce que contient un boîte de booster de draft. Vous voyez, vous avez des cartes classiques communes. Hop, des cartes peu communes. Et aussi des cartes carnaval. Oh, une autre mythique. Au dernier booster, Tug of War. Hop, une carte terrain textless dans tous les boosters. Donc il y a 2 cartes carnaval. Un jeton, que j'ai eu plein de fois. Et un sticker. Donc ce sont des petits autocollants. Il y en a 48 différents. Donc voilà les amis, c'était l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft. Alors combien j'ai eu de cartes? Je vais les reprendre déjà, les foils, les amis. Les foils, hop, hop, hop. Celle-là, je vais peut-être la mettre, même pas. La mythique foil, ça se trouve, elle est cotée à 1 euro ou 2. Voilà le nombre de foils que j'ai eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mythiques, 12 foils, pardon, les amis. Donc, quand même, j'ai eu une rare foil et une mythique extra foil, les amis. Donc, j'en ai eu 12. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Des cartes extra, donc, avec cette mythique foil, on s'y en la compte pas parce que... bon, j'imagine qu'il y a au moins une carte... voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça fait 8 cartes extra, les amis. Donc, c'est plutôt intéressant. D'un point de vue mythique, effectivement, j'en ai déjà eu une foil en version extra. Celle-là, voilà tout ce que j'ai eu en mythique, les amis. Mais j'en ai eu autant que ça, je m'en rendais même pas compte. J'ai eu 6 mythiques de l'édition, plus 6 mythiques extra foil, et en plus, la rare la plus cotée de l'édition. Oh, c'est énormissime. Franchement, c'est énormissime. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc, il y a au moins 2 cartes carnaval dans chaque booster. 2, parce que des fois, vous pouvez avoir une foil. Donc, dans chaque boîte de 36 boosters de draft, vous avez aussi un terrain, un Shockland en version foil. Et j'ai eu aussi un en version normale. Ça, alors là, Fonderie Sacrée, je suis bien content. Et j'ai la chance aussi d'avoir eu tous les terrains. Alors, les terrains de l'édition, parce que vous avez des terrains qui sont, en plus des Shockland, il y a des terrains. Ce type de terrains aussi qui sont avec des numéros 500 et quelques. 580, j'ai vu qu'ils sont cotés à plus d'une centaine d'euros individuels, alors là, je sais absolument pas comment on fait pour en avoir un. Et donc voilà, je vais vous montrer toutes les versions, alors les 2 versions pleines, les 2 versions forêt, oh, ils sont beaux les 2 versions montagne, les 2 versions Islande, et les 2 versions swamp. Franchement les amis, ces terrains, ils sont incroyablement beaux. Voilà, je suis bien content, vraiment, c'est une édition qui est plutôt sympa. Alors là, maintenant, je vais vous faire la vidéo d'analyse de stats. Ça va être très 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 intéressant de découvrir ce que ça vaut réellement. Mais là, je pense que ça doit être rentable, même si les cartes sont très peu cotées pour l'édition. Avec ce qu'il y a eu côté, les terrains sont recherchés. Les Shockland, je n'en parle même pas, c'est super cartes. Puis j'ai quand même eu quelques extras, des mythiques. Bon, j'ai quand même peut-être des cartes qui sont à 1-2 euros, et la multiplication fait que, voilà. Donc là, je vais tout vous dire dans la vidéo d'analyse de stats, les amis. Et puis, bah, écoutez, voilà, c'était l'ouverture d'une boîte de 36 boosters de draft de l'édition Infinity. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À terminer avec cette belle vision des 2 cartes, là. Oh, j'arrive pas à l'attraper, j'ai les doigts qui glissent. Voilà, ça c'est beau.